Ok, on fait comme ça. On fait comme ça alors. Allez. Oui? Ouais? Ah, non, 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 c'est pas prévu pour moi. Je ferai une vidéo de présentation après la fin de la saison 1 sur un avis sûr. Pourquoi? Et bien sûr que je l'ai vu V pour Vendetta. C'est produit par les Wachowski. C'est basé sur le comics d'Alan Moore. Bah, quel rapport avec moi? Ah ouais, pas con. Mais écoute, on en reparle à l'occasion et à plus. Tchou tchou! Souviens-t'en, car à l'oublier, jamais je ne pourrai me résoudre. Nous devons nous souvenir des idéaux et non de l'homme. Car l'homme peut échouer. Il peut être pris. Il peut être tué et oublié. J'ai été témoin de la puissance des idées. Les idées ne saignent pas et ne ressentent rien. Ni la douleur, ni l'amour. Voilà! Qui suis-je? Je ne suis qu'un instrument adapté à la besogne qui m'est conférée. Je suis le masque de moi-même. Mais enrobé dans la noirceur rassurante de cette nuit, permettez-moi de vous épargner le sobriquet dont on m'a affublé et laissez-moi vous dévoiler les facettes de mon personnage. À première vue, je ne suis qu'un vulgaire comédien de vaudeville à qui les vicissitudes de la vie font jouer le vilain et la victime et vice-versa. Ce visage n'est pas que le vil reflet de ma vanité, mais un vibrant vestige de la vox populi aujourd'hui vacillante et vaincue. Vous devez y voir les vieux restes d'une vexation vieillissante, aussi vive que vivante, et vouée à vaincre cette vermine vulgaire, vivace, virulente et vénale qui vivote en privant ces valeureuses victimes vaincues de la vérité et des vraies valeurs. Le seul verdict que je vois est la vengeance, une vendetta violente, brandie tel un exploto, et non en vain, visant à faire vaincre la vertu face à cette vilenie levée dans les veines de nos villes. Est-ce que vous êtes fou, quoi? Ces vagues vocales faisant de moi un ventriloque vociférant ses volutes verbales, revenons-en à l'essentiel. Je suis honoré de vous rencontrer, alors pour vous, je serai vu. Puisque vous écoutez mon émission. D'accord, ça suffit comme ça. Alors tu vas te taire maintenant.